Bonjour, je suis Michel Thériault, directeur général des études de l'École de scénographie judiciaire depuis octobre 2012. L'École de scénographie judiciaire est une école privée, subventionnée, à but non lucratif, dont la mission est de former des sténographes officiels, c'est-à-dire des officiers de justice, dans le système judiciaire québécois. Il faut dire que la sténographie judiciaire n'a pas été enseignée en français au Québec pendant plus de 25 ans. Et c'est à cette enseigne-là que l'école a été fondée en 2004, en vue effectivement de former les sténographes officiels, mais pas en quantité suffisante par rapport à la demande, puisque à l'heure actuelle, il y a beaucoup de sténographes qui sont à la retraite ou sur le bord de la retraite et qui ont besoin d'une relève assez importante. Ce qui a été constaté, c'est que les besoins sont partout dans la province. D'où l'idée de faire de la formation à distance et de rejoindre les gens dans chacune des régions possibles du Québec et de faire en sorte que, par après, lorsqu'ils seront sténographes officiels, ils puissent pratiquer dans leur région. Le défi est un défi de persévérance. C'est comme prendre quelqu'un qui est néophyte en musique et d'en faire un pianiste de concert en 2 ans. Si on prend cette analogie-là, ça veut dire que les personnes se doivent de pratiquer à tous les jours, 7 jours par semaine, au moins 3 heures par jour, et ceci sans arrêt, même durant les vacances, afin de ne pas perdre la vitesse qu'ils ont acquise et au contraire de l'augmenter. Comme directeur des études, mon intérêt, c'est de faire réussir les étudiants. Donc, de mettre en place les outils, les moyens pour que les étudiants persévèrent et réussissent.